Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est bitch. Attends, vas-y, on la refait. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du French Grenier et j'ai mon... Ah, waouh! Bosse mon moonwalk. C'est le pire moonwalk que j'ai vu de l'univers, on dirait le mien. Mais c'est un moonwalk d'armurier sur YouTube, ça passe. Tout c'est à fait. Sûrement le premier. Tout à fait, et le seul d'ailleurs. Oui, non, plus jamais, non. Je quitte les lieux. Coupera. Je quitte les lieux. Coupez! Coupez! Bref. Trèfle. Oh là là. Ça va être compliqué, hein, putain, j'ai un salon de la comprendre. Heureusement qu'on peut couper. J'ai un salon de la comprendre. Bref, bonjour, bonsoir à tous. Comme d'habitude, je suis avec mon cher ami. Comme d'habitude. Oui, comme d'habitude. Ça fait 6 ans qu'on fait des vidéos ensemble maintenant. Oui, exactement. Si je me souviens de nos débuts, c'était il y a tellement longtemps. Tellement longtemps. Au moins une demi-heure. Ça fait une demi-heure, je pense. Ah, c'était bon. C'était beau. J'étais plus jeune. Qu'est-ce que c'était? Et moi donc. Et moi donc. J'avais un cheveu gris en moi. Je me souviens, t'avais encore un cheveu noir. C'était lui, c'était celui-là. Imaginez-vous le stress de tourner avec le French Grenier, il a blanchi. Allez hop. Bon bref, on va peut-être arrêter de raconter des conneries, s'il vous plaît. Donc, comme d'habitude, j'ai mon cher ami et confrère Projectile, le lien est dans la description, qui me fait l'honneur absolu de me prêter des armes à lui, ce qui est quand même un comble, puisque théoriquement, c'est à moi qui en ai un peu plus. De prêter aux autres, mais bon, écoutez, si vous voulez, je suis un salopard. Hein, les enfants qui tirent au plomb ont aussi des fois des armes d'adultes. Oui, mais non, mais ce qu'il vous dit pas, c'est qu'il les a volées il y a 10 minutes. Donc voici la semaine dernière, un Smith & Wesson 686-357 Magnum. Donc vous savez, j'ai pas énormément d'amour pour les revolvers, j'en fais quasiment jamais. Ouais, mais là tu vas tomber amoureux. Mais là je vais tomber amoureux, c'est absolument évident. Flup. L'objet est tellement beau. Flup. Oh oui. Non mais ça il est beau, hein, ça je dis pas. Alors déjà, c'est vrai qu'on se faisait la remarque, on l'a bien en main, il pioche un peu vers l'avant, parce que bon, forcément, hein, c'est un gros bestiau, mais il lui manque un tout petit peu de viande. Un peu. C'est ce que... Bon après, je sais et pas si temps, ça... j'ai des mains moyennes. Bon oui, moi aussi... Ouais. Bon, après, on chipote là, hein, on chipote peut-être un peu. Mais on va voir ce que ça donne. Hein. Alors, donc, vous vous inquiéterez pas, il y a un impact. Sur la caméra. De 9-19. Oui, il y a peut-être un impact en caméra, auquel cas vous ne voyez rien en fait. Alors, faut que je me méfie de la queue de détente parce que c'est vrai qu'elle a tendance à partir toute seule. Très sympa, un peu haut. Ouais. Sauf que bas visuel sur des cibles qui font 2 ennemis, ça veut dire bas cible en fait. Là, je me suis fait avoir là. Ah, ça zouk un peu quand même. Hein. Ça zouk un peu, ouais. Comme dit mon cher ami, ça zouk un peu. La tête dedans. Oui, plus ou moins. Très sympa. Très sympa, très sympa. T'as tiré quoi en simple action là? Ouais, que en simple action là. C'est net, c'est propre, y a pas de course. Alors ça. C'est léger. Alors oui, il y a pas de course. D'ailleurs, ça me perturbe un peu. Bon, c'est vrai qu'on est tout de suite dessus et il y a vraiment rien de rien. Donc, on pourrait se dire, ouais, bon, allez, c'est bon, ok, il y a pas de course morte, c'est pas la mort. Mais bon, je préfère quand même qu'il y ait un tout petit peu de course morte, ça m'arrange. J'aime bien quand c'est. Ouais, c'est une affaire de goût. Ouais. Très sympa, on l'a bien en main. Ça relève quasiment pas parce qu'il faut être net, il y a beaucoup de poids vers l'avant. Non, c'est sympa. On va tester la double action de chaque côté avec un peu de tir rapide. Tu disais, je t'ai coupé. Double action qui est super fluide. Qui est super fluide, ouais. Tout à fait. Enfin, je n'en sais rien encore. Pas. Mais le moi de dans 5 minutes est d'accord avec toi. Oui. Elle est presque un peu perturbante. Tellement elle est fluide. Ah, à gauche, j'ai du mal, hein. C'est un miracle si j'ai pas dégommé ma caméra, je vais te dire.
c'est toi qui paye. Bah tiens. Alors, un petit peu de tir rapide. Très sympa. Très sympa, ça se remet très simplement en batterie, je dois bien l'admettre. Peut-être parce que tu le tiens bien mieux que moi, mais... Non, mais tu sais, je suis pas une espèce de surhomme, hein. Je les tiens exactement oui, comme tout le monde. L'habitude. Oui, enfin, tu parles. Mon cher Charles, tu parles. D'ailleurs, tu es monté sur le trône très récemment. Félicitations. Ah oui, parce que moi, oui, effectivement, je suis monté sur le trône, mais... Oui, non, c'était un autre délire. On va essayer de pas tuer la caméra, hein. Oui. Donc je vais rester à deux mains, moi, hein, perso. Bah à droite, ça va. À gauche... Putain, ça part tout seul. Ouais. Je savais pas qu'elle allait partir. C'est ce qu'elles disent toutes. Cette vibration est belle. Sans déconner, projectile qui tire au 357 Magnum, remerciez-moi. Hein. Remerciez-moi, le mien. Mon sac. Balancez des dons sur le Tipeee. Pour que je puisse lui payer ses 357. C'est judicieux. C'est judicieux. Non. Avec grand plaisir, mon cher. La prochaine fois, c'est moi qui sors les flammes. Avec voilà. Plaisir. Eh bien, écoutez, oui, ça va pas être une mauvaise note non plus, ce Smith. Il y a pas photo. Ouais. Faudrait y mettre de la mauvaise volonté. Oui, non, mais tu sais que je suis spécialiste de la mauvaise volonté. Voilà, et ben écoutez, on vous dit à très bientôt, amusez-vous bien, mangez des légumes et du saumon. C'est bon le saumon. Oui, c'est vrai que c'est bon le saumon, c'est bon. Alors faites gaffe parce qu'il y a plein de mercure dedans. Ceci étant, quand vous tirez, de toute façon, vous n'en avez plus un empoisonnement près. Donc, mangez du saumon. Voilà, plein. À plus. Ciao.